Alors, dans quel cadre ce chèque a été remis au Secours Populaire? Dans le cadre des inondations et de l'ouragan Irma qui est passé aux Antilles. Donc, les salariés du Crédit Agricole ont participé à une collecte qui a été abondée donc, par le comité d'entreprise et par la direction du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Comment cet argent va être utilisé par le Secours Populaire? Alors cet argent va être utilisé dans le cadre d'abord de l'urgence. Même si ça fait un petit moment que Irma est passé, nous sommes toujours en phase d'urgence. Donc on est toujours sur des produits de première nécessité. Donc on est sur de l'alimentaire, de l'eau, des bâches. Donc ça c'est la base. Le Secours Populaire est quand même attentif à tout ce qui est un peu plus que la base. Donc il y a aussi un effort qui est fait pour tous les enfants plutôt petits. Donc c'est des laits pour les enfants, pour les nourrissons. C'est aussi tous les produits d'hygiène, notamment pour les femmes, y compris pour les bébés. Donc tout ça c'est la première phase d'urgence et qui va se poursuivre vers des projets de plus longue ampleur.